Ils te disent que ça te regarde pas, même si tu leur fais des leçons de morale. Ou ils te disent je suis conscient qu'il faut pas faire ça, etc., etc. Mais ça n'empêche pas qu'ils continuent quand même. Adapter l'homme à la civilisation urbaine, c'est l'un des thèmes favoris de réflexion de François Mitterrand. Il a écrit souvent là-dessus. Et le président de la République l'a encore montré cet après-midi à Creil dans l'Oise, en compagnie du ministre de l'Urbanisme, Paul Quilès. Creil dans l'Oise. Fermeture d'usine, habitat pourri, famille cassée, intégration ratée. Le rêve des planificateurs gaullistes se transforme en cauchemar. De redonner une valeur urbaine. Aujourd'hui, François Mitterrand ne se rend pas sur le terrain. Il veut rencontrer les équipes chargées de réaliser ces 22 projets. C'est la première fois qu'elles se réunissent et le président est venu entendre les explications des architectes, des urbanistes et techniciens des villes concernées. Leur objectif, équilibrer la composition humaine des quartiers, prévenir l'insécurité et développer une véritable vie sociale dans les banlieues. On passe de la délinquance juvénile à la violence urbaine. C'est l'époque des rodéos nocturnes et de l'autodéfense. Il faut maintenant gérer une poudrière. Reconcevoir la ville, c'est la rendre habitable. Y créer toutes les chances d'équilibre, d'épanouissement et de bonheur personnel. Et l'on sait bien que l'appartement, l'immeuble, la maison, la place, l'arbre, la route, l'environnement, tout cela représente une donnée parmi les plus fondamentales pour l'équilibre de l'individu dans ses cellules naturelles, sa vie de famille, sa vie de quartier, sa vie de métier. Toute l'agglomération de Creil est décrétée zone prioritaire. Panique chez les derniers propriétaires bourgeois de la commanderie, qui se sentent socialement rabaissés. Ils vendent les derniers appartements à de gros spéculateurs. Ils y logent à prix d'or les familles immigrées recalées par les HLM. Pour accroître la rentabilité, les marchands de sommeil ne payent aucune charge. Le délabrement de la commanderie s'accélère. Plus personne ne respecte les parties communes, laissées à l'abandon. Les futurs scouts, eux, passent de la primaire au collège et découvrent la puissance de la rue.